Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19. Les amis, nouvelle vidéo sur une nouvelle map, Exit, la map Belgique profonde. Voilà, il est temps de changer de cette map là. Et on est sur la map Marwell Manor Farm. Très très belle map que je vous avais présentée jeudi dernier. Et j'ai pas mal avancé, quelque peu avancé sur cette partie. On va utiliser notamment le course play. Donc c'est une grande nouveauté pour moi, je n'avais jamais utilisé sur le 17 et j'ai testé un petit peu, c'est plutôt pas mal. Sur le 19, c'est plutôt pratique, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc la map, si vous la voulez, est dispo sur le site officiel Farming Simulator. Vous allez dessus, vous trouvez même à dispo sur PS4 et certains m'ont dit qu'il n'était pas dispo, qu'il ne le voyait pas pour Xbox. Mais normalement, elle devrait être dispo également pour Xbox, elle est prévue pour toutes les plateformes, donc ça c'est plutôt pas mal. On fera un peu de pressage, les amis, également avec ce magnifique 7920 que je vous avais présenté samedi dernier, qui est dispo sur mon site internet si vous le voulez. La classe Squadron, je ne l'ai pas rajouté, mais voilà, vous la trouvez surtout ici demain, elle est juste magnifique cette classe. J'ai vu qu'il y a une nouvelle version qui était sortie, il y a une 1.1, mais ça c'est toujours l'ancienne, il faut que je pense à la changer. Vraiment magnifique. J'ai testé un petit peu avec le tracteur, ça fait un super bon sens, vous allez voir, et le tracteur est juste super. Donc ça c'est cool. Et les amis, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, je vous explique un petit peu le course play, comment ça de quoi ça se compose, à quoi ça sert pour ceux qui ne savent pas. Alors j'utilise depuis peu et de façon très simplifiée. Hein. Voilà, il n'y a pas rien de... je suis pas un pro du course play, loin de là, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Là on est comment? On est plein, d'accord, ok, bon, puis on ira le vider lui. Et ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va mettre la moissonneuse à moissonner. Donc c'est pas l'élection 670 que je vous ai présenté samedi dernier, c'est l'élection 760 avec une barre de coupe de 9 mètres. Voilà, donc on va reprendre. Hop, donc là, voilà. Donc après, une fois que vous avez téléchargé le course play, vous allez voir sur le site également de simulagri.fr ou les vidéos de simulagri.fr où il y a plein de tutos sur le course play. Je vous invite vraiment à aller voir tout ça là-bas. Vous chopez le mode sur leur site internet, simulagri.fr. Et puis voilà, c'est plein de tutos très bien faits. Moi, je vais juste vous montrer un petit peu pour ce champ-là de comment ça fonctionne. Donc vous faites un clic droit avec la souris et là, vous avez le menu du course play qui s'ouvre. Ok. Donc voilà, donc normalement, moi j'ai déjà ma course, enfin mon travail d'enregistrer sur ce champ là. Donc il faut aller, voilà, donc là j'ai renommé champ 15 récolte. Voilà, et là normalement, vous voyez, j'ai pas le... Ah, d'accord, j'ai pas la course, je peux pas voir le champ. Il me semblait pourtant que... Ah bah ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Donc ici, en fait, vous allez ici dans ce menu là, ici, pour voir le travail du champ, en fait, ce que vous demandez au... bon, là, je ne l'ai pas fait parce que du coup, vu que je vais reprendre le travail que je suis en train de faire, je ne vais pas le faire au cas où que ça me fasse tout planter. Mais vous avez largeur de travail, donc ça, c'est la coupe de 9 mètres. Position de démarrage, donc vous mettez là où vous voulez être. Là, vous définissez, en fait, tu vois, le point de départ. Direction de départ automatique, après vous pouvez mettre en... Ouais non, vous pouvez mettre en automatique. Retour de départ désactivé, les fourrières, ça les fourrières c'est plutôt pratique si vous voulez des fourrières lissées ou des fourrières manœuvrées, je crois. Ah oui, non, je vais y arriver. Ouais, il me semblait qu'on avait bien les fourrières manœuvrées. Donc là c'est le nombre de fourrières, ah bah ça commence bien. Il me semblait que j'avais pourtant des fourrières manœuvrées. Mais bon, bref, enfin moi c'est ce que j'avais fait. Enfin bon, bref, voilà. Donc là en fait c'est soit vous voulez d'abord le tour du champ, ou d'abord qu'il fasse le tour du champ, ou d'abord, si vous êtes par exemple là, il faut d'abord, sur moissonne, il faut d'abord qu'il détoure. Donc faites d'abord le tour du champ, et ensuite il va faire ses longes, en fait, les allers-retours. Et si vous, par exemple, vous travaillez, faites du travail du sol, vous faites plutôt l'inverse. Vous faites d'abord vos longes et vous faites vos fourrières à la fin. Donc ça, c'est voilà, une petite flèche ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais une petite flèche qui est juste à cliquer dessus. Voilà. Enfin bon, bref, je vous montrer un petit peu, mais c'est dommage parce que on ne voit pas. Ah, et normalement, si on clique là, on doit voir la vue du champ qui doit s'afficher pour vous montrer un peu. Ah, enfin bon, bref, c'est pas grave.
Donc là, les amis, champ récolte 15. Faut faire ça. Ah, voilà, c'est là. Ah, ok, c'est moi qui. Ouais, faut appuyer là. Donc là, vous voyez le champ 15 ici. Le champ 15 est ici en fait. J'ai représenté ici. Le jeu reconnaît automatiquement les champs. Donc ça, c'est pas mal. Et je lui ai demandé 3 fourrières. Donc ce qui était fait, une. Vous voyez, deux, c'est trois traits ici. Il a fait d'abord ses fourrières. Et là, vous voyez, donc, ce qui est déjà fait. Et là, on est ici. Et là, on attaque les longes, en fait. Et là, il est ici. Il va reprendre le travail ici. Vous allez voir, les amis. Il va reprendre exactement là où on est. Donc là, vous avez juste à faire démarrer la course. Voilà. Et là, la machine se met en route. Et là, vous allez voir. Hop. Et là, vous voyez le petit curseur qui avance. Et il va faire son travail tout seul. Voilà. Et vous fermez comme ça. Ah oui, non. Faut d'abord enlever ça. Voilà. Et vous fermez. Et voilà. Et là, c'est parti. Mon kiki. Nous, on va livrer celui-là au. On va aller le livrer au. Voilà. Pas à la coop, mais à la. Au stockage. Donc, j'espère que cette petite série, les amis, vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ouais, ça fera extrêmement plaisir. J'espère avoir expliqué du mieux que je peux le course play. C'est pas quelque chose que je connais, comme je vous l'ai dit. C'est pas quelque chose que je maîtrise à fond, parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais je vous invite vraiment à le tester. Pour ceux qui ont. Voilà. C'est vrai que les ouvriers sur farming, c'est un peu la galère. Et si vous avez des champs un petit peu pas carrés, c'est vrai que c'est bien pratique. Le jeu reconnaît automatiquement les champs. Donc c'est une version bêta, mais qui fonctionne plutôt bien. Et sûrement quelques bugs, ça peut arriver, je pense. Hein. Ouais, il n'y a rien non plus de ce qui est une bêta, mais apparemment ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas vu beaucoup de bugs de mon côté. Et même Simulagri.fr disait que ça marchait plutôt bien aussi. Donc je vais vraiment aller voir leur tuto parce que vous avez plein de tutos. Vous pouvez également ordonner à l'ouvrier d'aller vidanger lui-même la moissonneuse. Alors ça j'ai pas regardé mais je sais qu'on peut le faire, donc ça c'est cool. Franchement ça c'est plutôt stylé. Donc les amis, le tracteur et la benne disposent sur mon site internet également, les amis, je tiens à le dire. Voilà, avant que vous me demandiez dans l'espace commentaire le lien de tous ces modes là. Ce qu'on va faire, j'ai un nouveau mode également à vous présenter. Le 6R qui est sorti, c'est un 6R normal. Avec quelques petites options en plus, notamment les roues, tout ça, qu'on peut changer. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai pas regardé. Je l'ai téléchargé, mais je l'ai pas encore regardé. Donc on va l'acheter ensemble, parce qu'on va aller chercher une autre benne, parce que celle-ci est un peu limite en plus. Hop, lui on va le laisser par là. Et vous voyez, hop, l'ouvrier fait son travail tout seul. Hein. Vous voyez, donc ça c'est... Regardez, hop, avec le clic droit, tac, tac, l'envoie la carte. Voilà, celle-là, ça fonctionne. Et vous voyez que là il est dans le retour, hop, et après il va repartir là, tac. Donc franchement c'est stylé, hein. Franchement c'est plutôt stylé. Donc ce qu'on va faire, nous, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va acheter au pire le tracteur, c'est tracteur moyen, ouais, tracteur moyen je crois, le 6R Series, voilà. Et là vous pouvez le prendre, les amis, avec les pneus Michelin, voilà, il y a tellement plus de gueule comme ça, il est vraiment stylé. Vous pouvez mettre un relevage ou pas devant, c'est comme vous voulez, hein, c'est pas mal. Ouais. Ah, vous pouvez mettre des masses avec l'hydraulique. Oh, franchement, il est complet. Hein. Il est complet ce mode-là. Ok, d'accord. Ah, même les pneus Mitas aussi. Ok, d'accord. Ok. Ah, avec le GPS. Hop. Et en pneu large. Vous pouvez mettre également. En pneu large, comme ça, il a de la gueule. Ok. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être le. Je sais quoi ça. Ah, c'est peut-être le pot. Ah, c'est le pot d'échappement. Ok. Ah oui, j'ai pas. Ouais, vous pouvez me prendre en alu, tout ça. Ah, stylé. Stylé, stylé. Ah, mais Maurice. Ah non, mais j'ai dit que ça marchait bien. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Surtout qu'il y a la coupe levée. Maurice, là, tu fais des conneries. Arrêtez la course. Hop. On va lui arrêter la course. Hop, donc là on va le remettre là, et bien sûr ça bug. Vous voyez, donc ça peut arriver qu'il y ait quelques petits soucis. Hein. Au pire, ce qu'on va faire, c'est que lui on va le laisser là, et puis on va aller chercher la benne. Ah, un petit bug, voilà, un tout petit bug, hein. Ça peut arriver. Hop, déplie la pipe, Maurice. Hop, voilà. Et donc ça on va fermer, on va juste la couper, au pire on va aller chercher, on va ramener. Ah, j'ai toujours pas ramené les vendeurs et tout. Hein. Donc le 6R, qui est fort sympathique avec la Benjo Skin que j'avais déjà acheté avant, les amis. Hop. Tac. Ouais, donc j'ai vu dans vos commentaires, enfin dans les commentaires de la vidéo présentation, que la map, enfin du moins pour les joueurs console, vous étiez super content que cette map sorte. Parce que ça fait une nouvelle map sur console et ça fait plaisir. Et ça, qu'est-ce que je vous comprends, les gars? Alors oui,
Alors là, on roule à gauche, les gars, si ça va passer. Je suis passé avant le camion, nickel. Je suis tellement content pour vous aussi, parce que voilà, je sais qu'il y a une énorme communauté console qui me suit. Vous êtes nombreux à me suivre et à me dire, nous sur PS4, nous sur Xbox, on n'en a rien, nous sur console, on est vraiment mis de côté et tout. J'espère que ce qui est vrai, malheureusement pour vous, et ça, voilà, et ça, on n'y peut rien. Enfin, du moins, c'est Farming qui gère le truc. Mais du coup, j'étais vraiment content pour vous que cette map sorte et ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à jouer sur une map comme ça, parce que c'est vraiment une map qui est sympa, hein, qui est vraiment. Bon, Maurice, là, on n'a pas le temps, nous, hein. On n'a pas le temps, allez, on double. Allez, hop. Parce que nous, on n'a pas le temps, mon gars, allez. Allez, allez, hop. Ouais, donc j'espère vraiment que vous prenez du plaisir, les gars. Hop, on va tourner, c'est là, ouais, c'est là. Hop, on attend ici. Par contre, j'ai toujours dans cet endroit-là, j'ai toujours des gros ralentissements de sur le jeu ici. Je sais pas pourquoi il y a des textures qui font ça. Je sais pas. C'est bizarre. Hop. Oh là là. What the fuck. Il y a des coups de lag. Un truc de fou. Et ce 6R, les gars, il est juste. Regardez l'intérieur et tout. Bon, il est. C'est l'intérieur classique hein, du 6R qu'on a de base. Mais franchement, ce tracteur. Les Legendaire, en général, sur le jeu, ont vraiment été réussis. Franchement, ils sont vraiment chouettes. Hein. Y a pas grand chose à redire. Hop, et là on y va, il y a pleine bille, 60 à l'heure. Dans la ferme aussi, j'ai des chutes de FPS. Je sais pas pourquoi, alors que là, vous voyez, hop, ultra fluide. Ultra fluide, mais je pense que ça vient justement des collisions ou des choses comme ça. Hop, ça fait un bel ensemble, les gars. Et l'ensemble, il est plutôt pas mal. Hein. Avec la Josquin, là, parfait. Parfait, parfait. Bon, l'autre, on va le remettre à moissonner. J'espère qu'il va pas nous faire de bêtises, là. Hop, il va juste se vidanger. Ici, après on continuera de presser nous. Tac, voilà. Voilà, puis on va te couper là. Ouais, ceci sert, il est vraiment pas mal. Hop, nous on va remonter dans la machine. Donc ça va se vidanger, ça va finir de se vidanger, nickel. C'est vrai que la Josquin elle est superbe aussi, avec les pneus Michelin et tout, comme ça elle rend super bien. J'ai pas beaucoup utilisé depuis le début. Autant sur le 17 je l'ai beaucoup utilisé cette benne, autant là sur le 19 j'ai pas vraiment utilisé. Donc ça fait l'occasion. Hop. Voilà. Hop, on va replier ça. Et voilà. Et là, Maurice, tu redémarres la cour. Ouais, d'accord, ok, tu redémarres un peu plus loin. Bon, ok, mais c'est pas grave, t'as raison. Faut pas t'embêter. Tu as raison. Bon, avec moi, pourtant, j'étais détouré le champ et tout. Nickel, j'ai... Oh, putain, je suis content. Mais il y a peut-être moi qui est... Y a peut-être... Ça vient peut-être de moi aussi. Hein. Il y a peut-être un truc que je fais mal ou pas, je sais pas. Donc, les amis, on va continuer le pressage, nous. Hein. On est là, les gars. Avec ce magnifique 79-20. Et regardez, écoutez-moi ce bruit, les gars. Et le bruit... Vous allez voir le bruit au pressage de ce tracteur. Franchement, les gars. Je kiffe. Par contre... attends, voir, là, mais... Là, tu vas l'enlever là. Tac, parce que tu vas un peu nous embêter, Maurice. Là. Donc là, on est en full jeune d'air. Là. Il y a les amateurs de jeune d'air seront contents. Hein. Là, il n'y a que la moissonneuse qui est du classe. Sinon, on est en full jeune d'air. Je sais que ça va plaire à certains et d'autres un peu moins, forcément. Mais regardez, franchement, regardez ça. Regardez ça, les amis. Oh, bel ensemble, hein. Superbe. Hop, et là, écoutez-moi ce bruit. Je vais me taire un petit peu. Oh, magnifique. Vous écoutez un peu. Et là, on est parti, les gars. Ah, j'adore le bruit moteur de ce tracteur, franchement. Wow, wow. Comme si on entendait bien les coups de piston et tout, franchement. Et... Enfin, les coups de piston de la presse, hein, je parle. Oh, magnifique. Ce tracteur-là, ça fait un bel ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez de cet ensemble, les gars, avec la quadran, mais... Franchement, ça rend bien. Hein. Bon, ah, là c'est bon, il va faire le tour. J'espère qu'il va pas nous faire une connerie en revenant de l'autre côté. Hop, tac. Voilà, on rentre comme ça. Hop hop hop. Ah bah l'autre il a emmené la botte il a emmené la botte dans la barre de coupe. Bon c'est pas grave, ça va s'enlever après.
Ah bah décidément, ça va, tout a été nickel et tout, en plus juste avant, enfin juste avant, la veille, quand j'ai utilisé le course play et tout, nickel et tout, je dis, oh, putain, ça va être super. Et là, il y a des petits bugs. Ah bah ça, c'est ma chance, hein, les gars, de toute façon. Faut pas s'étonner, moi j'ai toujours de la chance comme ça. Ah, mais il a lâché la botte. Ouais. Ah, il l'a mis sur le côté. D'accord, okay, nickel. Nickel, nickel. Donc, les amis, aussi, je voulais vous parler un petit peu d'une chose aussi, mais je ferai peut-être sûrement une petite vidéo annonce ou je sais pas trop. Je serai présent au salon de. Non, pas au CIMA, malheureusement, j'aurais bien voulu y aller, mais je ne pourrais pas aller au CIMA. Mais au salon d'agriculture, je serai là-bas le. Je crois que c'est le samedi 2 mars ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement si c'est le 2 ou le 3. Le samedi, je serai toute la journée normalement au salon de l'agriculture. Dites-moi si vous y allez également, même si j'aurais préféré sur aller au CIMA, mais je pouvais pas. Je ne peux pas aller non plus aux deux, vu que c'est, enfin, là, c'est compliqué. Mais je serai présent là-bas. Bon, dites-moi si vous y allez et tout. N'hésitez pas à mettre tout ça dans l'espace commentaire. Enfin, ça... Alors, là, je vois qu'il y a un pylône là. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, Maurice là? Attendez voir là. Ah oui, tu ne vas pas détecter. Normalement, je crois qu'on peut justement détecter aussi les obstacles. Et là, je crois qu'il ne va pas détecter l'obstacle. Arrêtez la course. Voilà. Attendez, il est quasiment déjà plein en plus. Donc on va détourer nous-mêmes. Comme ça. Voilà. Hop, on va faire ça un peu. Bon. Tu peux n'importe comment, mais pas loin. Et là, je vais faire démarrer la course. Voilà. Et là, normalement, il va reprendre. Nickel. Et là, nous, on peut y aller. Après je finirai tout ça les amis, je sais pas ce que vous voulez voir dans le prochain épisode, enfin, peut-être qu'on fasse un peu de foin, quelque chose comme ça, ça pourrait être pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez, qu'on fasse, et puis je verrai tout ça, bien sûr. C'est vrai que les champs sont quand même assez grands, donc bah après quitte à faire, on peut lancer la fauche, normalement ça devrait fonctionner aussi, hein. On peut mettre un tracteur à faucher, et puis voilà, par contre j'ai pas enlevé le tracteur, hop, on passe à côté, c'est pas bien grave. Oh bon là ça restera une petite touffe de blé, bah c'est pas grave non plus. Hein. C'est pas bien grave. Bon après on pourrait faire de l'épandage de fumier aussi là, c'est vrai que on pourrait faire de l'épandage de fumier. Et puis déchaumer derrière, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être sympathique aussi. Bon, dites-moi en commentaire sur les amis ce que vous voulez qu'on fasse, et puis on regardera tout ça bien sûr. Et puis voilà, dites-moi également si voilà si vraiment cette série là vous plaît sur cette map là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi, je regarderai bien sûr. Je regarderai bien sûr tout ça. Voilà. Ah, l'autre il est quasiment plein là. Par contre. Ouais, mais attends. Attends. Arrêtez la course. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier la buse. Ouais, on va prendre lui. Ouais. Par contre, là, c'est vrai que la visibilité, là, on est haut. Hein. On a le toit dans le. On a la tête dans le toit, là, comme on dit. Hein. Mais bon, ils sont tellement beaux ces tracteurs, franchement. Pourtant, je suis pas un pro John Deere, hein. Je suis pas non plus un fan absolu des John Deere. J'ai pas vraiment de marque préférée également. Mais c'est vrai que c'est dans le jeu, franchement, ils sont vraiment jolis. Hein. Avec les pédales animées, pédales de frein, ouais, ils fonctionnent et tout, franchement. C'est propre, c'est du beau boulot. Nous, on va vidanger ça, les gars. Je suis pas au-dessus. Bon, c'est pas grave, on fait ça un peu n'importe comment. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est du blé ou de l'orge. Ça, c'est de l'orge, apparemment. Ouais, ça a l'air d'être de l'orge. Hop, donc après, une fois que c'est terminé, on pourra le remettre à lancer. Allez. Et. Voilà. Et là, c'est reparti. Bon, kiki. Et on va le ramener là-bas. Après, je sais pas, je pense que vous pouvez tourner également avec plusieurs machines, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen de tourner, je crois, avec par exemple deux moissonneuses dans le champ, sans qu'il y ait de collision ou quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire si je dis une connerie, mais c'est fort probable.
C'est fort probable que vous puissiez le faire, hein. À voir, à tester, mais c'est possible, je pense. On va le laisser là. Comme ça, il sera bien. Tac, on va continuer un petit peu. Ouais. Je peux t'enlever, hein. On va continuer de presser un petit peu, puis on se quittera dessus, les amis. Voilà, n'hésitez pas, ouais, comme je vous l'ai dit, à lâcher un gros pouce bleu. Ah, j'ai pas fait trop de vue intérieure. Hein. En plus, la vue intérieure, elle est sympa dans ce tracteur-là. Hein. Ah, c'est tellement des beaux tracteurs, ceux-là aussi. Ils sont tellement, tellement mythiques. C'est vrai que ce mode-là, je pense que c'est une conversion du 17, hein, je pense, je dis pas de bêtises. Mais... Rappelez avec la presse quadran derrière, franchement ça fait un bel attelage, un bel ensemble. Un bel ensemble, je vous le dis. Bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés, tous les pouces bleus, tous les commentaires. Vous êtes là, vous êtes présents, merci à vous. Vraiment, ça fait chaud au cœur, je vous promets. Plein de belles choses pour la suite, mais on attend la map. Il y a vraiment une très belle série qui va arriver pour vous dans quelques temps. Et il faut déjà que la map sorte, hein, la map qu'on attend tous. Je crois qu'elle est très lourde cette map-là. Et puis voilà, j'ai rien de plus pour moi, les amis. On se retrouve dès jeudi normalement pour une nouvelle vidéo. On verra si peut-être une petite présentation de map, s'il y en a eu, ou je sais pas trop. On verra tout ça, les amis, on verra ce qui sort. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à un gros pouce bleu pour ça, vous abonner. C'est pas déjà fait, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.